Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver dans les experts au féminin. Vous êtes maintenant un petit peu habitués à cette configuration. Lorsqu'Axel Collongeant n'est pas là, je la remplace. Avec grand plaisir, on va se faire un petit tour de table parce que je suis très bien entourée ce soir, comme à chaque fois. Maëlle Félix-Henri, bonsoir. Bonsoir, Joëlle. Alors, parlez-moi un petit peu de ce dont vous parlez dans cette émission. Alors avec moi, sur ma chronique, nous parlons d'entrepreneuriat, de vie associative et également de formation. Très bien. Bonsoir Amanda. Bonsoir. Contente de vous retrouver en plateau. Également. Alors, de quoi vous nous parlez dans votre chronique? Alors moi, je parle particulièrement des réseaux sociaux. Je fais de la recherche et de la tendance, oui, en général sur les réseaux sociaux. Très bien. Cindy Bajazé, bonsoir. Bonsoir Joël. Alors, expliquez-nous un petit peu quelles sont vos thématiques de prédilection par ici. Alors, je parle entrepreneuriat, je reçois des porteurs de projets, des chefs d'entreprise qui nous font découvrir ou redécouvrir leur parcours. Oui. Et je peux également parler, comme aujourd'hui, de thématiques spéciales dans le cadre de l'entrepreneuriat. Très voilà. Bien. Alors, on va faire un petit coucou à Axel, qui est en Martinique. Axel, bonsoir. Bonsoir les filles, bonsoir Mario, bonsoir aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Ravie de vous retrouver depuis la Martinique où je suis en mission pour le travail autour de la conférence ministérielle des régions ultra-périphériques, mais également pour le sujet de ma chronique exceptionnellement. Exceptionnellement, je serai en mode chronique aujourd'hui. On verra tout à l'heure. Alors, ce soir, je suis très heureuse d'accueillir une invitée de marque dans le monde touristique en Guadeloupe. C'est Madame Maïté Marie-Antoinette. Elle est directrice du développement de la demande du CTIG. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Joël. Bonsoir. Alors, à tous. On s'est vu longuement sur le salon Taste of Paris le week-end dernier et je tenais à vous inviter sur le plateau pour un petit débriefing parce que je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte de l'impact qu'un tel événement peut avoir sur les destinations. Donc on va en discuter tous ensemble. Alors, avant toute chose, on a un petit rituel ici. Les invités se présentent, ils présentent un petit peu leur parcours. C'est un petit moment d'inspiration pour les jeunes qui nous regardent et les moins jeunes aussi qui sont en quête de reconversion. Alors, comment devient-on directrice de la demande? Tout a commencé... Non, je plaisante. j'ai un parcours résolument tourné vers le tourisme, puisque dès le plus jeune âge, j'ai été piquée par le virus des voyages. Grâce à mes parents, j'ai eu cette chance de pouvoir voyager de manière régulière dans les îles de Guadeloupe, évidemment, et à Paris, hein, pour voir la famille, mais aussi dans le bassin caribéen et les États-Unis dès l'adolescence. Donc c'est tout naturellement que j'ai, on va dire, choisi cette orientation professionnelle qui me permettait de vivre à la fois ma passion, mais aussi d'en parler et de faire vivre cette passion des voyages à d'autres. Donc voilà, donc détentrice d'un baccalauréat lettres et langues, j'ai entamé un BTS tourisme et loisirs à l'École nationale de commerce dans le 17e. Et puis très vite, je suis partie à Londres pour parfaire la langue de Shakespeare. Je suis d'ailleurs diplômée de Cambridge, de la Chambre de commerce et d'industrie de Londres, pour la langue anglaise, hein, adaptée au tourisme. Et puis j'ai commencé mon intégration au sein de la CTO, qui est la Caribbean Tourism Organization. Donc c'est une très belle institution caribéenne qui a pour mission de promouvoir l'ensemble du bassin en Europe. Alors, je suis aussi quelqu'un de très pragmatique. Oui. J'aime l'expérience terrain et durant mon évolution, j'ai eu l'occasion de toucher à divers corps de métiers au sein du secteur du touristique. Donc j'ai travaillé dans des compagnies aériennes, dans l'hôtellerie, dans la restauration, en agence de voyage également. Et j'en ai profité également pour perfectionner le côté théorique. Donc j'ai repris mes études également en marketing et je suis diplômée de la Chartered Institute of Marketing. Voilà, donc ça c'est la première partie de l'épisode. Après 6 ans, j'ai décidé de plier bagages, de revenir sur Paris et là j'ai donc intégré le comité du tourisme des îles de Guadeloupe, une institution que vous connaissez maintenant et au sein de laquelle j'évolue depuis 17 ans. Et tout récemment, j'ai obtenu un master spécialisé en marketing, management et digital à l'ESSEC. Voilà. On parle souvent de formation, d'expertise. On a une pointure là.
Parlez-moi un petit peu de votre poste. L'intitulé peut paraître un petit peu obscur pour certains. En quoi cela consiste d'être directrice du développement de la demande? Oui, effectivement, je le disais tout à l'heure, c'est un intitulé assez long. En termes clairs, avec mes équipes, qu'elles soient basées à Paris, à New York, au Canada ou encore à Pointe-à-Pitre, on œuvre vraiment à faire rayonner l'archipel à l'international, mais aussi en Guadeloupe. Ça passe par la mise en place de campagnes publicitaires, par exemple, pour encourager les Guadeloupéens, les Martiniquais ou même les Canadiens à passer leurs vacances en Guadeloupe. Ça passe aussi par la coordination d'accueil de journalistes ou d'influenceurs pour encourager des retombées presse positives sur la destination. Et évidemment, la coordination de salons à l'international, comme celui qu'on vient de vivre, le salon Taste of Paris. Ben justement, alors sur le salon, Madame Taillepierre, la présidente du CTIG, me disait que c'est à vous que nous devions la présence de la destination sur ce salon. Comment l'idée vous est venue ? Oui, comment l'idée est venue ? En fait, dans la réalisation de nos opérations et dans la réflexion autour des plans d'action, on s'efforce à chaque fois d'être innovant, d'être créatif pour justement pouvoir se démarquer de la concurrence, puisque Dieu seul sait qu'ils sont nombreux et qui ont souvent beaucoup plus de moyens que nous, oui, que ce soit des moyens financiers ou humains. Et donc voilà, c'est une habitude qui était déjà rentrée dans les mœurs, j'ai envie de dire, au CTIG. Et c'est vrai que 2022, cette année de la gastronomie, on avait réfléchi à être présent de manière plus forte pour justement marquer le coup et inscrire la destination dans cette année de la gastronomie. Oui. Alors évidemment, on était déjà présent au début d'année aux côtés de la Chambre des métiers et aux côtés de la région, mm-hmm, au Salon Sagazdom, donc le Salon de la gastronomie de l'Outre-mer, de Babette, de Rosière. Oui. Nous étions également présents à la Foire de Paris. Mais voilà, on avait envie d'aller un petit peu plus loin, d'aller chercher une nouvelle clientèle friante de choses un petit peu plus raffinées, un petit peu qui sort de l'ordinaire, mmh, en tout cas qui sort de ce pourquoi on nous connaît. On aime tous les acras, le boudin, et avec raison d'ailleurs. Mmh. Mais voilà, l'archipel a aussi un savoir-faire beaucoup plus large et c'était important pour nous de le mettre en avant, d'où la participation au salon. C'est une excellente initiative. Alors, c'est une très grosse machine, Taste of Paris. Comment vos équipes se sont coordonnées entre la Guadeloupe et Paris pour réussir à mettre tout cela en œuvre? Alors, c'est une opération qui est entièrement sous le giron de l'équipe de Paris, dirigée, mmh, par Michel Dralou, et avec Émilie Mayout en chargée de projet sur l'opération. D'ailleurs, elles ont œuvré de main de maître, de la création du stand, les échanges avec les organisateurs et aussi avec les chefs, puisque nous étions accompagnés de 3 chefs de renom. Jean-Rony Le Riche, basé sur Toulouse, pour l'instant, on ne va pas faire de spoil. Les chefs Claude et Julien Strazel, également de la maison Strazel. Et enfin, Xavier Pistol pour la masterclass de clôture. Et c'était vraiment très enrichissant pour tous. Madame Taillepierre, qui était présente également, était ravie de l'initiative prise. Oui. Puisque, outre les équipes qui ont assuré une présence dynamique sur les 4 jours de salon, les chefs aussi ont donné. Ils ont su partager leur passion, leur savoir-faire et surtout leur amour des îles de Guadeloupe, et je crois que le bilan est très très positif. Les visiteurs en tout cas étaient surpris, agréablement surpris, oui, de nous trouver là, et ils sont tous repartis ravis d'avoir goûté justement, ou en tout cas d'avoir eu cette mise en bouche de la destination, parce que je peux vous rassurer que je suis revenue avec des kilos en trop. C'était vraiment délicieux. Alors si le bilan est aussi positif, on peut se dire que ce sera reconduit alors. Encore une fois, pas de spoiler, on vous en dira plus, mais en tout cas, le bilan est positif. Alors évidemment, avec quelques petites améliorations apportées, comme toujours, oui, c'est un petit peu notre mot d'ordre au CTIG, ce, mm-hmm, qui fonctionne, on garde, et ce qui fonctionne moins bien, on change, on remplace, mais on vise toujours l'excellence. Et je crois que sur cette émission, on était très clairement dans ce créneau de l'excellence. Je confirme. Alors, vous disiez tout à l'heure que c'était l'année de la gastronomie pour le CTIG. Qu'est-ce que vous mettrez en œuvre encore ces prochains mois? On est en mai, donc il y a encore pas mal de mois qui arrivent. Quels sont les projets à venir? Oui, alors l'année de la gastronomie pour nous, pour le CTIG, ne s'arrête pas là, évidemment. À venir de très beaux reportages, notamment dans Télématin, qui, je le rappelle, rassemble à peu près 800 000 téléspectateurs.
un autre reportage dans le magazine Saveur également, tout cela suite à des accueils de journalistes en début d'année, comme je le disais. Nous aurons en fin d'année également une opération avec un concurrent sur le plan national que je ne nommerai pas. Mais, et puis surtout avant tout cela, au mois de juin, du 20 au 24, le Spirit Selection, qui est un concours international de dégustation de spiritueux, dans le, voilà, une belle manifestation pour la destination, pendant laquelle les grandes maisons du Rhum pourront elles aussi partager et distiller leur savoir-faire. D'accord, très bien, programme est dense. Oui, je confirme. J'aimerais savoir, alors, petite question subsidiaire, avec la pandémie, on a été pas mal chamboulés par, différents paramètres, et les croisières nous ont échappé. Est-ce que vous savez si on les récupérera en Guadeloupe sur cette destination? Est-ce qu'il y aura des départs d'ici prochainement? Alors, peut-être pas cette année, mais l'an prochain, vous y œuvrez ou ce sera compliqué? Complètement. La croisière fait partie des activités qui sont importantes également pour la destination. Hein. Et le CTIG revient tout juste du salon Sea Trade à Miami. Et je crois que c'était, pendant qu'on était sur Paris d'ailleurs, la confirmation est tombée, la bonne nouvelle est là. Les croisières reviennent, pas moins de 200 escales sont prévues à partir du 16 octobre sur toute la saison hivernale. Mais j'ai envie de vous dire qu'il faudrait convier une autre femme de talent qui est ma collègue Laurence Corentin pour vous en parler plus amplement. Avec grand plaisir, Laurence Corentin. Tout à fait. Je note. Très bien. Dernière chose avant de se quitter, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu si les chefs tels que ceux qu'on a invités sur le salon Taste of Paris pourraient avoir une petite ouverture sur ces croisières. Parce que j'ai vu notamment que de grands chefs intervenaient dorénavant sur les paquebots de croisières. Alors, ce sont des chefs européens, mais dans une croisière dans les Caraïbes, pensez-vous que ce soit possible de les placer, de les positionner? On peut faire du lobbying chez ces... On a l'habitude de penser que rien n'est possible. Rien n'est impossible. On a vu par le passé des collaborations avec des compagnies aériennes, notamment avec Babette de Rosière, qui avait un plat signature sur le réseau régional avec Air France. Donc, il n'est pas exclu de pouvoir répéter l'opération avec une certaine envergure, bien sûr, puisque là, on est sur des paquebots qui transportent des milliers de passagers. Donc, la porte est ouverte, je pense, aux discussions. Très bien. C'est une très bonne note, ça, pour clôturer notre entretien. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau pour nous faire un petit débriefing sur ce festival. Merci encore pour l'ambition que vous portez sur cette destination et à très bientôt. Merci à vous de m'avoir invité. Encore merci à l'équipe. Merci beaucoup au chef et puis merci à tous ceux qui se sont rendus sur le stand des îles de Guadeloupe et on vous attend pour les autres opérations. À bientôt. À très bientôt. Alors, chers téléspectateurs, on va se quitter pendant une petite courte page de publicité et on revient très rapidement pour les chroniques. Chers téléspectateurs, rebonsoir. Alors, on va faire un petit tour de table pour savoir de quoi chaque invité ce soir, chaque chroniqueuse, pardon, de quoi elles vont nous parler. Alors, Maëlle Félix-Henri, dites-nous un petit peu quel est votre thème ce soir. Alors, ce soir, je veux vous permettre de découvrir l'une des fondatrices de l'école Flamboyant Premier, qui est une école hors contrat, spécialisée dans l'accompagnement et dans l'excellence pour les jeunes collégiens. Effectivement, il y a énormément d'écoles privées qui existent pour les jeunes enfants. Ici, nous avons une école niveau collège qui est disponible maintenant sur le territoire. Et donc, j'ai eu la joie de découvrir les fondateurs de cette école lors du brunch réseautage à Ireza. Et je vais vous les présenter. Très bien. Voilà. Programme intéressant, comme à chaque fois. Merci. Amanda, de quoi allons-nous discuter ensemble ce soir? Alors ce soir, on va recevoir Olivia, la fondatrice de laboratoire Valogétal. D'accord. Et elle va nous parler un petit peu de ce qu'elle fait dans ce labo. Très bien. Cindy, racontez-nous un petit peu. Alors ce soir, pas d'invité. J'ai fait le choix de vous parler un petit peu des 10 trucs et astuces à valider dans le cadre de la création d'entreprise. Parce que quand on crée, on se pose toujours 10 000 et une questions, à savoir par où commencer, que faire. Alors, en premier lieu, il s'agira en fait de déterminer l'idée. Est-ce que vous souhaitez vendre un produit,
un sac, une paire de chaussures, un sac à main, ou est-ce que vous souhaitez proposer un service, une prestation intellectuelle telle que le conseil? En deux, il s'agira en fait de déterminer la situation actuelle, c'est-à-dire que est-ce que dans le cadre de votre création d'entreprise, vous souhaitez rester en qualité de salarié et prétendre à cette activité en étant salarié aussi. Il faudra déterminer si votre contrat de travail, par exemple, vous permet justement de prétendre à cette nouvelle casquette d'entrepreneur. En trois, donc, faire un bilan personnel. Est-ce que vous avez le mindset, par exemple, pour pouvoir être chef d'entreprise? Est-ce que dans votre entourage, il y a des membres de votre famille qui sont pour ou contre votre projet? Est-ce que vous avez la certification, les diplômes requis pour pouvoir proposer ou prétendre à cette expertise? Par exemple, un avocat, un expert comptable, un électricien, un coiffeur, ce sont des activités, en tout cas, ce sont des professions où il faudra avoir des certifications, des diplômes. En quatre, il s'agira en fait de déterminer la faisabilité et le financement. Donc, est-ce que vous avez une idée novatrice? Est-ce que vous avez besoin de vous octroyer ou de faire une demande de prêt, par exemple? Comment vous allez vous en sortir pour pouvoir subvenir à vos besoins? Quelles sont les charges que cette activité va procurer? Quelles sont les charges, les dépenses? Quel sera le montant du chiffre d'affaires? D'où la nécessité d'établir un prévisionnel et de se faire accompagner par un professionnel des chiffres tel qu'un expert comptable. En 5, les éventuelles aides, c'est-à-dire que très souvent, vous n'avez pas forcément les fonds nécessaires, et même si vous avez des fonds, il faut savoir qu'il y a des aides qui sont là pour pouvoir vous aider en termes de création d'entreprise. C'est important de le savoir, ça. Voilà, donc il y a des aides pour les femmes, des aides pour les personnes de situation d'handicap, les aides pour les jeunes créateurs d'entreprise, les aides pour les demandeurs d'emploi. Donc ça, en fait, il faudra également déterminer tout cela. En 6, vous avez les partenaires indispensables. Dans le cadre d'une création d'entreprise, en fonction par exemple de la forme juridique, si vous partez sur une société, ou voilà, il y aura des partenaires qui seront obligatoires. Un banquier, un expert comptable, un avocat par exemple, seront des partenaires indispensables. En 7, s'assurer du choix du nom, c'est-à-dire que quand vous allez déterminer le nom, il faudra savoir si ce nom n'a pas été protégé ou s'il n'est pas déjà pris par une autre structure. Donc pour ça, vous devrez vous rendre sur le site de l'INPI et vous faire en fait accompagner. Vous pouvez le faire seul, mais comme je dis souvent, il est bien mieux de se faire accompagner par un professionnel à ce niveau, puisque souvent, beaucoup de personnes en fait font la démarche et se rendent compte qu'il y a des informations qui ne sont pas forcément évidentes. Oui, elles ne maîtrisent pas forcément. Voilà, exactement. En 8, le lieu d'implantation, là où vous allez en fait exercer votre activité. Donc au choix, vous pourrez l'exercer au domicile, par exemple, du représentant légal, sous certaines conditions. Vous pourrez également prétendre à un bail commercial où vous pourrez faire de la domiciliation, comme dans le cas de IRESA qui propose la domiciliation, donc faire domicilier votre structure vers ce type de structure. En 9, la forme juridique. Donc, savoir si vous partez sur une entreprise individuelle ou sur une société. L'entreprise individuelle, donc l'entreprise individuelle classique, l'auto-entreprise, ou si, par exemple, vous voulez vous associer, donc partir sur une SARL, une URL. Ça, ce sont également des choix qui vous pourrez vous faire aider toujours, par exemple, par un avocat pour pouvoir déterminer ce type de forme juridique auquel vous pourrez prétendre. D'accord. Et en 10, il s'agira de s'étendre sur les formalités de création. Alors, la liste des pièces à communiquer au CFE compétent. Le CFE, c'est le centre de formalité des entreprises. C'est la structure où vous allez déposer justement le dossier. D'accord. Donc, de s'enquérir, de connaître la liste des pièces, puisque d'une forme juridique à l'autre, les choses changent. Si, comme j'ai dit tout à l'heure, vous faites l'objet, en fait, en tout cas, vous entrez dans le cadre des activités dites, des activités qui ont besoin justement de diplômes, de certifications, de choses comme ça. Vous êtes par exemple un infirmier, on vous demandera votre diplôme. D'accord ? Donc, bien savoir quelle est la liste des pièces à avoir pour ne pas faire l'objet de rejet au niveau du tribunal ou du centre de formalité où vous avez déposé votre dossier pour ne pas perdre de temps.
Donc voilà, j'ai décidé en fait de faire cette chronique parce que souvent, et moi je suis passée par là puisque je suis aussi chef d'entreprise depuis 4 ans, on ne sait pas par quoi commencer. Et moi, si j'ai un conseil à donner à tout un chacun, c'est que les choses ne doivent pas être toujours cadrées. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai pris une feuille de papier, hein, parce que je fais partie de la génération d'avant, et je mettais comme ça, voilà, sur une feuille ce que je devais faire, même si ça partait en vrac. D'accord. Et ensuite, moi, c'est vrai que je cherche beaucoup et je me suis informée. Et puis, j'ai aussi pas mal de proches qui sont des professionnels, voilà, en leur matière. Voilà. Et si j'ai également quelque chose d'autre à dire, si je pouvais placer une autre étape en 11e position. Mmh. Après la création de l'entreprise, c'est bien aussi de faire du networking, d'aller en fait un petit peu faire du réseautage, rencontrer du monde. Mmh. Ça vous permettra justement de parler un petit peu de votre projet, de votre nouvelle activité, de vous présenter à d'autres personnes, de prétendre à des partenariats. Et ces personnes aussi vont peut-être vous parler de leur parcours et ça vous donnera peut-être une impulsion ou l'envie en tout cas, puisque à certains moments quand on crée, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Pourquoi est-ce que j'ai décidé de en tout cas d'arrêter d'être salarié pour sans pouvoir, l'expérience voilà, pour pouvoir partir sur en tout cas voler de mes propres ailes, voilà. Oui. Et ça c'est très important. Et à l'occasion, Joël, je oui. ferai ce type de petite capsule, de petites bulles, pour pouvoir comme ça donner des petits trucs et astuces aux téléspectateurs. C'est une excellente idée, sincèrement une excellente idée. La checklist là, voilà. Les 12 points, c'est précieux. Qu'en dites-vous, Maëlle ? Tout à fait. Surtout que, effectivement, moi qui suis également dans la formation et l'accompagnement des entrepreneurs, j'ai toujours tendance à dire qu'il est vraiment important de s'aguerrir des prérequis, en fait, oui. avant de devenir entrepreneur. Parce que tout le monde n'est pas amené à pouvoir gérer et suivre une entreprise. Bien sûr. Et il est important d'être au fait des responsabilités qui incombent au chef d'entreprise avant de se laisser dépasser un peu par les événements. Et puis surtout, encore une fois, se former, notamment d'ailleurs à IRESA, nous avons des formations spécifiques mm-hmm. pour pouvoir permettre aux entrepreneurs de durer dans le temps en management, en gestion d'équipe, en gestion financière, parce que souvent on retrouve des magnifiques formations pour la création d'entreprise et finalement après, ben, il n'y a rien. Oui. Or, IRESA finalement se positionne dessus. Très bien. Alors, Amanda, je sais que vous êtes friande des petites astuces comme cela. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Il faut que Cindy renouvelle ses petites capsules. Absolument, on peut avoir le mindset, mais comme on le disait tout à l'heure là, on n'a pas forcément le jargon, les termes, etc. Donc, c'est mieux de se faire accompagner par un professionnel. Non, très bien. Merci beaucoup, Cindy. C'est moi, avec plaisir. On continue avec Maëlle. Alors, vous avez happé avec la présentation brève de tout à l'heure. Parlez-nous un petit peu donc, de cet établissement hors contrat. C'était important pour moi parce que ce sont des jeunes entrepreneurs que j'ai rencontrés lors du brunch réseautage. Oui. Justement, Cindy parlait il y a quelques minutes du fait qu'il est important de rentrer en connexion avec d'autres entrepreneurs. Et ça a été le cas avec ces jeunes gens qui donc sont venus à cette manifestation organisée par IRESA. Oui. Et donc, du coup, j'ai pris le temps d'entendre et d'écouter, d'échanger également avec eux sur le projet de Flamboyant Premier, qui est en fait une alternative finalement aux système scolaire dit classique, mmh. Puisque c'est une école hors contrat, mais qui est dédiée aux collégiens. D'accord. Et j'ai trouvé ça magnifique parce qu'effectivement, on pense souvent aux très jeunes enfants, mmh. et puis passer une certaine étape, il faut quand même un suivi, une continuité. Leur spécificité, c'est qu'ils s'adressent à 8 enfants. Ah, donc oui, c'est vraiment... un encadrement sur mesure. Ah oui. Je ne sais pas comment on peut faire. C'est de la dentelle, là. Ah oui, c'est de la dentelle. Donc, vous avez une invitée pour nous en parler. Exactement. En détail. On verra si elle est déjà en ligne. Mais juste avant, je serais vraiment très intéressant. Une petite structure comme ça, 8 élèves. 8 élèves par classe. Donc, par classe. Exactement. Donc, cette année, donc pour la rentrée scolaire, oui. ils vous en diront plus. Hein, bien mais sûr. J'ai quand même quelques petites infos. Donc, pour la rentrée scolaire, ils vont commencer de la 6e à la 4e. D'accord. Donc pour des jeunes
collégiens. Oui. Et puis, dès l'année prochaine, ils vont pouvoir proposer la troisième. D'accord. Et je pense que c'est très bien d'y aller par étapes parce que ça permettra effectivement d'avoir une première expérience sur l'accompagnement et l'excellence des jeunes oui. collégiens. Et je ne doute pas du tout de la réussite de cette école parce que j'ai pu avoir des photos en avant-première qu'on diffusera dans quelques minutes. D'accord. Le cadre est excellent. En plus, alors joli cadre, les élèves qui sont très petit comité dans les classes, exactement. C'est royal pour les enseignants. Coucou collègues. Oui, tout à fait. Parce qu'on n'en parle pas souvent, mais effectivement, en tant que formatrice, hein, oui. moi-même, je vois à quel point le cadre est important. Bien sûr. Parce qu'en prenant plaisir à enseigner, à transmettre dans un cadre propice, ben, ça permet également d'avoir une efficience pour pouvoir exercer son métier dans de bonnes conditions. Voilà. Alors, votre invitée nous a rejoint. Je vous laisse discuter avec Bonsoir. Elle. Bonsoir. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Ah, super. Donc, j'ai fait une magnifique introduction de Flamboyant Premier. J'ai entendu. Très bien. Je suis ravie de pouvoir vous accueillir sur le plateau d'Éclair Télévision. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Puisqu'effectivement, il y a matière à pouvoir faire des éloges sur cette école. Alors, je suis Madame Marbeuf Janik. Donc, je fais partie d'une équipe de 3 fondateurs de l'école Flamboyant Premier. Vous avez pu rencontrer mes deux collègues d'ailleurs, Monsieur Henri Plantier et Malika Bella. Donc à 3, nous avons décidé de monter ce concept d'école privée secondaire pour des collégiens dans le but de proposer une alternative aux élèves qui ont besoin d'être dans de plus petits groupes pour pouvoir s'épanouir. Effectivement, en intro, j'expliquais aux téléspectateurs que l'école sera donc ouverte dès cette rentrée scolaire. Donc, comment vous est venue l'idée de mettre en place cette école hors contrat ? Pourquoi avez-vous fait le choix d'être sur cette proposition alternative ? Alors, en fait, de mon côté, ça fait quasiment 15 ans que je suis dans le soutien scolaire. Entre-temps, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans l'éducation nationale, dans différentes structures. Et à force d'en discuter avec mon autre collègue, qui a un peu le même cursus que le mien, on voulait partir vers une formule qui ressemblait à nos convictions. Et la meilleure alternative était une école hors contrat, puisque nous devons respecter le socle commun des compétences. Mais nous avons cette possibilité de pouvoir modeler le quotidien de l'élève selon ce qui nous semble le plus important pour lui. Alors, il me semble important de rassurer certains téléspectateurs. Mm-hmm. Une école hors contrat n'est pas forcément une école qui ne respecte pas les compétences nécessaires pour un élève. Nous sommes d'accord ? Non, nous sommes d'accord parce que nous devons déposer un dossier au rectorat. Nous avons l'aval, en fait, pour ouvrir. Pour accueillir les élèves et pour être leur établissement à part entière. Et nous sommes suivis tout au long de l'année. Et à la fin de l'année, les élèves, de toute façon, doivent justifier du fait qu'ils aient bien reçu les compétences exigées par le rectorat. Alors, très beau programme. On a bien compris qu'il s'agit d'une école où il y a des compétences réelles qui vont être prodiguées aux élèves. Maintenant, comment se passe l'équipe pédagogique? Elle est composée de combien de personnes? Comment avez-vous donc organisé un peu le suivi et la transmission des savoirs? Alors, déjà au niveau même des fondateurs, donc moi, je serai la directrice, forcément, donc je serai en charge du fonctionnement de l'école. Mon collègue, M. Kabela, lui, sera en charge de la pédagogie, donc il sera proche des professeurs, afin que les différentes matières et activités qu'on souhaite proposer soient proches de la philosophie de l'école.
Monsieur Plantier, lui, il représentera l'entreprise à l'extérieur puisque nous aurons des partenaires pour tout ce qui est activité culturelle, activité musicale, activité manuelle qu'on veut proposer aux élèves et aussi leur permettre de pouvoir avoir chacun leur projet personnel en contact avec des entreprises extérieures. Donc déjà, la première gestion sera faite par nous trois fondateurs. Et ensuite, nous aurons environ 10 professeurs qui seront en charge des différentes matières et activités au niveau des élèves. Très bien. Donc, toute cette équipe pédagogique compte quand même un grand nombre de personnes. Hein. Oui, donc, soyez rassurés, vous aurez donc un encadrement nécessaire pour vos élèves. Par ailleurs, comment ça s'organise un peu une journée type, puisque justement vous nous parliez des activités manuelles, des activités dites extrascolaires. Donc oui. Finalement, comment s'organise une journée type d'un élève? Alors, une journée type, la matinée sera principalement consacrée à la partie théorie. Donc sur les différentes matières que les élèves doivent recevoir. Les après-midi seront consacrés aux activités, donc soit manuelles, exemple pour l'année prochaine, la pâtisserie, du jardinage, du bricolage ou encore modélisme, stylisme. Sinon, ils pourront partir en activité sportive à l'extérieur ou en activité musicale. Voilà. Yeah. Alors du coup, pour les parents qui seraient intéressés pour une rentrée scolaire 2022-2023, comment doivent-ils vous contacter? Alors, nous leur proposons de venir à notre rencontre aux deux prochaines portes ouvertes qui auront lieu le 4 juin et le 29 juin de 14h à 18h. Ils peuvent aussi nous retrouver sur la page Instagram et la page Facebook de Flamboyant Premier, ainsi que sur le site internet. Ils n'hésitent pas, ils peuvent nous recontacter aussi par téléphone. Je ne sais pas si je peux donner un numéro de téléphone à l'antenne. Oui. Donc 06 90 12 59 20. Et puis à ce moment-là, nous leur donnerons toutes les informations nécessaires afin d'effectuer une préinscription pour avoir accès à un entretien. Ouais. Écoutez, je souhaite longue vie à cette école Flamboyant Premier. J'espère réellement que ça touchera le plus grand nombre de parents qui sont justement attentifs au suivi et de leur enfant, parce qu'effectivement, nous avons besoin d'écoles de qualité pour encadrer notre jeunesse et la nouvelle génération. Donc, longue vie et puis on se dit à bientôt. Merci en tout cas pour l'invitation. Merci, bonne soirée. Très joli sujet. Je sais que certaines familles sont intéressées par des écoles un peu comme ça, atypiques, qui s'adaptent vraiment au profil de chaque élève. Vraiment très intéressant. Il y a des mots-clés comme ça que j'ai retenus. Contact avec les entreprises. Amanda et moi, nous sommes regardés. Je sais que vous êtes sensible à cela. Oui, je suis très sensible dès le plus jeune âge, orienter les élèves, et enfin nos enfants tout simplement vers l'entrepreneuriat, pouvoir développer leur mindset. Oui. Puisque quand on a les enfants qui nous suivent au quotidien, ils n'arrivent pas forcément à comprendre, et mettre en contact comme ça, ça peut être très bien. Oui, tout à fait. Ouais, je suis pour guider les enfants vers le business assez tôt. Cindy, je sais que vous êtes sensible à tout ce qui touche à l'éducation. Qu'avez-vous pensé de cette école? Je trouve que c'est une très très belle initiative. Et comme je le dis souvent, s'il y avait eu ce type de structure à nos plus jeunes âges, ça aurait été quelque chose d'extraordinaire. Et je suis comme Amanda. Je pars du principe qu'entreprendre, ce n'est pas forcément créer une entreprise, mais c'est le fait de faire, en fait, d'être déterminé dans les choses qu'on souhaite mettre en place au cours de sa vie. Et le fait de suivre des enfants, des élèves comme ça, d'avoir une structure avec un quota aussi peu élevé, ben justement, ça mettra l'accent sur peut-être les lacunes de chacun ou justement les points forts des autres. Et ça permettra également peut-être de l'élever. Certains d'entre eux aiment beaucoup ce terme. Je trouve ça super génial puisque ce sont des écoles qui sont déjà à Singapour par exemple et je trouve ça génial d'avoir ça sur notre territoire vraiment. Tout à fait. Donc on retient 4 et 29 juin pour les portes ouvertes.
Très bien. Merci encore, Maëlle. Amanda, alors ce soir, vous nous parlez d'un laboratoire Valogétal. Vous recevez la directrice Olivia. Déjà, avant que nous la recevions en duplex, dites-nous un petit peu de quoi il s'agit, Labo Végétal. Alors, laboratoire Valogétal a pour concept de valoriser les matières premières guadeloupéennes. Donc, c'est ce qu'elle met en avant. Et elle vise aussi les professionnels qui souhaitent créer leur marque de produits. Donc, on reçoit Olivia ce soir qui nous expliquera tout ça en détail. C'est intéressant ça. C'est super intéressant de mettre en avant comme ça des partenaires qui promeuvent les produits naturels de notre Surtout qu'elle a été formée à l'Hexagone. D'accord. Et elle fait un beau retour au pays, je trouve. Effectivement. Alors, on va la recevoir. Je vous laisse entre les mains d'Amanda, chère invitée. Olivia, bonsoir. Bonsoir Olivia, merci d'être avec nous ce soir. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci de m'avoir avec moi. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter et présenter un petit peu votre parcours? Alors, bonsoir à tous, je suis Olivia et je suis la créatrice, fondatrice du laboratoire Valogétal. Alors, pour vous expliquer un petit peu mon parcours, j'ai fait toute ma scolarité en Guadeloupe et en fait, je suis partie en 2015 faire mon Master 2 en France. Donc, de BTS au Master 1, j'étais à Friol, donc j'étais formée sur les bancs de notre université locale et me spécialiser en phytochimie mais aussi en chimie organique pour tout ce qui est apprentissage de l'extraction des molécules issues des plantes pour pouvoir les intégrer à des produits pharmaceutiques, des produits cosmétiques ou encore agroalimentaires. Donc à l'issue de ça, j'ai fait une deuxième année de master et après je suis rentrée au pays en 2018. Alors depuis, on sait que vous avez créé votre laboratoire Valogétal. Expliquez-nous en quoi consiste Valogétal. Alors Valogétal, comme on l'entend, consiste à valoriser le végétal de Guadeloupe. Donc en fait, on valorise la biodiversité, donc la flore guadeloupéenne ainsi que les biodéchets pour en faire des ingrédients naturels, donc des matières premières végétales pour que les professionnels, donc ça peut être des cosmétiques, ça peut être un boulanger, qui puisse l'utiliser dans son produit fini. Donc, Valogétal, pour l'instant, c'est ça. Et on se tourne aussi pour le particulier qui souhaite créer son produit cosmétique fait maison, avec toutes les bases nécessaires à la création de ce produit cosmétique pour pouvoir en faire un produit cosmétique dont il sait les ingrédients en fait, qu'il y a à l'intérieur. Donc, à quel moment vous vous êtes dit, ça y est, je vais lancer mon laboratoire en Guadeloupe? Alors, ça s'est passé, alors j'étais en stage en 2017 en Bretagne, dans une unité semi-industrielle, donc qui faisait de la prestation de services. Donc, pour tout vous expliquer, ils recevaient de la matière première végétale et en extrayaient des molécules, mais à l'échelle semi-industrielle, comme je le disais. Donc, on utilisait des procédés verts, différents, divers et variés, des extractions avec de l'alcool, des extractions à l'eau, des choses comme ça. Donc j'ai pu travailler sur le beurre de cacao, sur du chanvre, sur de la cardamome, sur des pépins de raisin, des pépins de fraises. Donc à partir de ça, je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas d'usine en fait telle qu'elle en Guadeloupe qui pouvait créer de la matière première pour que les fabricants puissent les utiliser en local. Donc ce serait vraiment se substituer à l'importation et créer vraiment des matières premières végétales locales pour que les gens ici puissent se fournir avec la proximité en tout cas qui va avec. Alors, comme vous l'avez dit précédemment, vous êtes retournée en 2018. Comment a été votre retour en Guadeloupe? Est-ce que vous avez eu des petits pépins en ouvrant votre laboratoire? Racontez-nous un petit peu. Alors, c'est vrai que quand je suis retournée en Guadeloupe, je travaille plus en recherche et développement de mon côté pour pouvoir sortir les deux matières premières qu'on a développé en tout cas, donc qui est la poudre de noyau d'avocat ainsi que le charbon végétal de noix de coco. Donc c'était deux années vraiment un petit peu compliquées, je dirais, parce qu'on est vraiment seul lorsqu'on ouvre son entreprise. Mais il ne faut pas oublier que quand j'ai commencé vraiment à rentrer dans la démarche entrepreneuriale, j'ai rencontré les premières de Guadeloupe chez qui je suis incubée jusqu'à maintenant. Donc j'ai intégré l'incubateur à l'inauguration d'ailleurs en juin 2019.
2009. Et depuis, on fait notre petit bonhomme de chemin et on travaille ensemble. Donc, c'est vrai que lorsqu'on est entrepreneur, on est vraiment seul, mais il ne faut pas hésiter à s'entourer de bonnes personnes pour qu'ils puissent nous accompagner et nous donner des petits tips de part et d'autre. Voilà. Alors, à long terme, vous voulez que votre laboratoire se développe. Comment est-ce que vous allez viser une clientèle plus qu'une autre ? Alors, c'est vrai. Alors, on va plus viser une clientèle professionnelle parce que c'est un besoin qui est sur le territoire, surtout avec notre charbon qui va devenir un charbon actif et qu'on pourra fournir à des blanchisseries, donc des professionnels qui utilisent pour la filtration de l'eau, pour la purification de l'air aussi, mais aussi pour tout ce qui est agroalimentaire, comme on retrouve souvent du courant charbon, par exemple, ou encore dans les usines de traitement d'eau qui utilisent du charbon actif pour purifier leurs eaux avant le projet dans les mines naturelles. Donc, on va vraiment plus le professionnel au détriment, même si ça ne va pas les aider. Très bien. Alors, pour ceux qui veulent tenter un retour en Guadeloupe ou même ceux qui sont déjà sur le territoire, quels conseils donneriez-vous à ces gens-là pour qu'ils puissent se lancer? Alors, quand vous vous lancez, vraiment, armez-vous de patience, tapez aux bonnes portes et n'hésitez pas à trouver des entrepreneurs qui vous ressemblent. Voilà, c'est ce que je pourrais donner comme conseil pour retour au pays en tant qu'entrepreneur. Alors, Olivia, êtes-vous sur les réseaux sociaux? Si on veut vous retrouver, pouvez-vous nous les citer, s'il vous plaît? On me retrouve sur LinkedIn, sur Instagram et sur Facebook avec le pseudo Laboratoire Valogital. Donc voilà, on est sur les trois plateformes et on peut nous joindre aussi par téléphone éventuellement. Je vous remercie Olivia d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup à vous. Merci. Au revoir. Alors, chère Amanda, encore une fois, un superbe profil. Non, mais c'est ça, super intéressant de mettre en valeur des talents de Guadeloupe comme elle. Et si bien qu'elle ait précisé qu'elle soit formée en Guadeloupe, elle est partie sur la fin. Et franchement, chapeau, elle est toute jeune. Et là encore, des mots-clés, traçabilité, le fait que les produits qu'elle fabrique à destination des professionnels soient d'ici, c'est très intéressant, je trouve. Maëlle, qu'en dites-vous ? Moi, je suis addite à tête des produits naturels. Ouais. Et pour moi, c'est très important de privilégier le Made in Guada parce que nous avons tout sur notre territoire. Il ne faut pas oublier que nous sommes dotés d'une richesse, d'une faune et d'une flore incroyables. Et donc, effectivement, tout est possible en termes de cosmétiques en Guadeloupe. Et Valogital est l'une des manières de pouvoir avoir accès à des produits sains et bons pour nous. Oui, et puis en termes d'environnement aussi, se substituer à l'importation, exactement. Belle initiative. Et donc une empreinte carbone moindre. Exactement. C'est très important. Exactement. J'ai pensé à Cindy lorsqu'elle parlait de l'incubateur, les premières de Guadeloupe. On parle souvent de savoir s'entourer. Elle a dit qu'il fallait être patient lorsqu'on est une entreprise. Et je me suis dit que ça aurait fait tilt chez vous, ça. Oui, en plus, je les connais très... enfin, en tout cas, quand on passe par elles, on ressort formé. Oui. En fait, c'est une personne qui a compris hein, qu'il fallait qu'elle se fasse accompagner. Et d'ailleurs, Amanda, je l'avais repérée. La concurrence, là, sur le plateau, ça. Et en fait, c'est très, très important. Enfin, franchement, elle fait partie encore de ces étoiles qui font des choses extraordinaires. Ouais. Et qui, franchement, en plus, comme le disait Maëlle, consommer local, quoi. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses en Guadeloupe, aux Antilles, on peut faire énormément. Et du coup, c'est une personne qui a tout compris et qui s'est formée, qui s'est informée et qui aujourd'hui fait quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux. Tout à fait. Merci encore pour cette mise en valeur. Avec plaisir. Alors, on va passer à Axel maintenant, qui est en Martinique et qui va nous parler de l'entrée fracassante de Free sur le marché caribéen. Je crois qu'elle est déjà en ligne. Axel, rebonsoir. Rebonsoir. Alors, j'ai vu passer une photo importante avec Monsieur Xavier Niel et vous-même. Racontez-nous un petit peu. Ah, vous avez vu, c'est... Ça va vite sur les réseaux.
Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je me suis rendue de passage en Martinique pour une mission professionnelle. J'ai également été invitée à la conférence de presse de lancement de Free Caraïbes. Et attention, en présence de Xavier Niel himself. C'est un peu l'équivalent du Steve Jobs ou du Richard Branson, Made in France. Voilà, monsieur Startup et Innovation qui a lancé Station F, le plus gros incubateur de jeunes pousses en Europe et peut-être même au monde. Voilà, donc c'était une rencontre pleine d'émotions pour moi, puisqu'il fait partie de ces entrepreneurs, de ces personnes que je trouve extrêmement inspirantes. C'est quelqu'un qui est parti presque de rien et qui est aujourd'hui à la tête d'un grand groupe qui impacte la vie de millions de personnes et qui encourage des jeunes entrepreneurs à réaliser leurs rêves, justement. Donc, entrée fracassante pour Free aux Antilles françaises. Mais avant de vous en dire plus, je vous invite à regarder un sujet que l'on a tourné ce matin à Fort-de-France. Et puis, ce forfait, il est surtout incroyable pour les gigas qu'il propose. C'est un maximum de gigas, c'est 120 gigas en 4G et en 4G+. Et donc, c'est aujourd'hui le plus grand volume de data que l'on peut trouver sur le marché. La deuxième valeur importante, évidemment, chez Free, c'est la liberté, c'est évident. Le forfait Free Caraïbes est sans engagement. Pas de contraintes, pas de menottes, on n'est pas lié à un engagement. Monsieur Niel, vous avez lancé l'offre en Guadeloupe et en Martinique aujourd'hui. On sait que vous êtes un entrepreneur versé dans l'innovation. Vous êtes parti presque de rien. Si vous aviez un conseil pour les jeunes entrepreneurs, quel serait-il ? Tenir, ne rien lâcher et avoir de la chance. Alors la chance, c'est pas toujours facile, mais tenir, ne rien lâcher, c'est exactement ce que l'on a fait pour se lancer ici. C'est-à-dire que globalement, personne ne voulait que tu fasses arriver dans les Caraïbes et on n'a jamais lâché. Donc, être obstiné et si on est obstiné dans le sens, ben à la fin, ça marche. Très bien. Alors, vous nous avez dit que vous avez été beaucoup bloqué avec beaucoup de procédures judiciaires aux Antilles françaises. Pourquoi ? Parce que les gens ne veulent pas nous voir arriver, parce qu'il y a une autre situation probablement pour un certain nombre d'acteurs. Les prix qui sont d'une manière générale pratiqués pour les Antilles françaises sont incroyablement plus élevés que ceux que l'on peut retrouver dans l'Hexagone. Donc, il y a un moment, c'est injuste et cette injustice, elle nous a donné envie de nous battre. Quelles sont les valeurs qui motivent l'installation de Free aux Antilles françaises ? Je crois l'envie de vendre, l'envie d'aider. Je pense que c'est ça le vrai sujet. Si vous comparez la population des Antilles avec ceux qu'on peut avoir dans l'Hexagone, les gens vous diront ça n'a pas de sens économique. C'est pas ça le sujet, c'est de se dire la France, elle est belle, elle est grande et qu'il faut qu'on soit capable d'avoir des avancées partout et pas seulement sur une partie du territoire. Très bien. C'est toujours un peu sain d'avoir un peu plus de concurrence hein, sur un marché. Qu'en dites-vous, Axel ? Tout à fait sain d'avoir cet acteur, ce nouvel opérateur qui arrive sur le marché des télécoms en Guadeloupe. Et c'est vrai que vous allez voir, nos confrères vont beaucoup revenir hein, sur les offres, le côté technique, etc. Bon, c'est vrai que tous les geeks, quels qu'ils soient, adorent Free. Hein, par-delà le côté consommation, mais c'est vrai qu'il y a une philosophie qui est très Internet, qui est vraiment dans l'air justement de cette génération Y qui innove et qui entreprend dans le numérique. Mais moi, je voudrais vous parler de trois points aujourd'hui concernant ce lancement, cette arrivée fracassante de Free. C'est premièrement une offre simplifiée. Donc en termes de marketing, c'est très intéressant à analyser. Deuxièmement, c'est le storytelling qui est complètement maîtrisé par Xavier Niel et son équipe. Et troisièmement, ce sont les valeurs qui sont mises en avant pour pouvoir entrer en connexion, en communication avec les consommateurs, avec le public des Antilles françaises. Et là, on est vraiment sur une communication différenciée par rapport à ce qui se fait en France hexagonale et ailleurs. Alors déjà, en termes de marketing, l'offre, elle est différenciée. Un abonnement, 120 gigas, 4G, 4G+, appel SMS illimité pour 9,99€. Donc là, c'est la seule offre. Oui, oui, vraiment. C'est moins cher qu'à Paris. Ils ont souligné cela également et ils ont d'ailleurs fait un clin d'œil aux consommateurs antillais en disant que c'est la première fois qu'il y a des choses qui coûtent moins cher qu'en France hexagonale et qu'avec ce
ce prix défiant toute concurrence, eh bien, Free souhaite redonner du pouvoir d'achat aux Antillais, en tout cas dans les Antilles françaises, en leur faisant économiser au moins 500 euros par an et 500 euros qu'ils pourront réinvestir, réinjecter ailleurs, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou que ce soit dans leur consommation quotidienne. Donc là, Free et Xavier Niel en particulier, ils ont bien compris l'enjeu de la vie chère sur nos territoires et ils se posent comme une entreprise à impact directement et c'est une vraie différence par rapport aux autres acteurs, aux autres opérateurs sur le marché et je crois que cela c'est très intéressant à souligner et à analyser et à mon avis toute leur communication, toute leur stratégie marketing va reposer sur cet angle-là pendant un bon petit moment et d'ailleurs ils n'hésitent pas à étrier au passage les opérateurs qui sont en position dominante et monopolistique depuis un bon moment sans les nommer et ce qu'ils vous disent en fait pourquoi est-ce que Free n'a qu'une seule offre, une offre simplifiée. Eh bien je cite Xavier Niel, qu'on ne me fasse pas de procès d'intention s'il vous plaît, je cite Xavier Niel, c'est si Free a une offre aussi simplifiée alors que les autres concurrents ont des offres à rallonge, eh bien c'est parce que ses concurrents veulent, eh bien, et on va le dire très gentiment, veulent vous entuber. Voilà. Et donc Free, c'est la transparence. C'est ce qu'ils disent. C'est un véritable argument marketing pour eux. Et donc, ça, c'est pour la première chose. Le deuxième point, c'est le storytelling. Alors, c'est vrai que Xavier Niel, il est connu pour des déclarations fracassantes, un petit peu à la Elon Musk, toujours voilà, avec des mots et des expressions qui sont parfois un peu outrancières, mais qui font le job en termes de communication. Et ça, c'est très, très important à souligner. Il a anticipé une question très tendue que les journalistes, que les communicants ont pu lui poser, à savoir, voilà, ça fait 6 ans que Free a obtenu la licence pour pouvoir exploiter et proposer des offres aux Antilles françaises. Et donc, ça fait 6 ans que les consommateurs attendaient, comme ça était dans l'expectative, et rien n'arrivait. Et ils ont eu une espèce de coup de génie en termes de communication pour retourner ça en leur faveur. Et ça, je suis obligée de pointer le gros storytelling qui est derrière ça, c'est que vous disent attention, on a été la cible de toutes sortes de malveillances, on a été secoué, maltraité, nous avons été victimes de procédures judiciaires à n'en plus finir de la part des opérateurs qui sont en position de monopole sur le marché, on ne voulait pas nous voir arriver, les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Saint-Martinois voulaient nous voir arriver, mais pas nos concurrents, donc on nous a mis des bâtons dans les roues, et c'est pour ça que ça a pris 6 ans. Voilà. Et donc, il faut le dire, c'est un storytelling extraordinaire et qui peut prendre, bien évidemment, qui peut trouver un écho favorable au niveau de la population. Et cela, on doit lui tirer le chapeau. D'ailleurs, ils ont eu une présentation à l'américaine, il faut le souligner, grand écran, vidéo, langage très décomplexé. On n'hésite pas à tirer sur la concurrence. On fait des comparatifs directs avec ceux et celles qui sont en position monopolistique depuis un moment. Et puis surtout, on anticipe beaucoup les questions. Les journalistes étaient là, c'est vrai, à poser des questions, mais toutes les questions ont été anticipées sur la qualité du réseau, la qualité de l'infrastructure, etc. Et surtout, ce qui est à souligner, ce sont les grandes qualités de communicant de Xavier Niel, mais aussi de son équipe, l'équipe dont il s'est entouré, vraiment très intéressant, beaucoup d'humour, beaucoup de second degré, très accessible, vraiment, ça a été très, très intéressant. Et enfin, le troisième point que je souhaite souligner, ce sont ces valeurs qui ont été mises en avant, la générosité, la liberté, toutes ces valeurs, la transparence également, pour pouvoir lutter contre la vie chère, la générosité de la population antillaise, la générosité du climat. Voilà, Free se met vraiment sur le même plan que ce nouveau marché qu'il essaie de conquérir et je ne pouvais pas passer à côté de cette analyse-là en termes de communication et de marketing. Il y a du vrai génie.
beaucoup Axel pour ce retour. On retient qu'il n'y a pas de copier-coller, comme c'est souvent le cas malheureusement, qui s'est vraiment adapté au marché local. Beaucoup de familles antillaises devraient y être sensibles, d'entrepreneurs. J'ai vu que Maëlle a tilté sur pas mal de points. Alors j'ai fait un petit... calcul. Un petit calcul, hein. Ouais. Ça me fait 768 euros par an. Budget. C'est conséquent, hein. C'est conséquent. Donc les économies seront notables. Donc on va y réfléchir, on va analyser tranquillement l'offre que propose Free. Oui, c'est intéressant. Qu'en dites-vous, Amanda ? Ah ben c'est très intéressant et j'espère justement que les zones blanches seront couvertes à partir de ce moment. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Voilà. On sait comment c'est compliqué dans le Nord Grande Terre. Cindy ? Je souhaite tout simplement que la concurrence puisse bouger par rapport à ça, parce que du coup, c'est généralement ce qui se passe. Hein. Ben oui, les prix sont quand même... et compte tenu de la conjoncture actuelle, c'est super compliqué pour tout le monde. Hein. Les prix augmentés, etc. Donc du coup, peut-être que l'arrivée de Free fera un petit peu descendre... Bouger les lignes. Voilà, c'est souvent exactement. Comme ça. Il faut qu'un nouvel acteur arrive, casse un petit peu les prix pour que les autres s'adaptent un petit peu et proposent le juste prix. Donc, on verra un petit peu comment les choses évoluent. Tout en tout cas, fait. On remercie Axel pour cette mise en lumière. À mon tour maintenant, pour la petite chronique tourisme et gastronomie, parce que je n'ai pas oublié nos chers téléspectateurs. Que non. On va terminer avec un invité, Xavier Pistol. On en discutait rapidement avec notre invité tout à l'heure, Maïté Marie-Antoinette. Xavier, il a clôturé le festival Taste of Paris, où je me trouvais le week-end dernier, avec une masterclass. Alors, je n'y ai pas assisté parce qu'il fallait que je rentre travailler. C'était une grosse frustration. Mais j'ai suivi un petit peu sur les réseaux, les plats, voilà, le plat qu'il a préparé, l'ambiance et tout. Et c'était vraiment intéressant, vraiment spectaculaire. Donc, j'aimerais ce soir qu'il nous en dise un petit peu plus, qu'on débriefe ensemble sur son expérience. Vous avez suivi un petit peu ou pas du tout ce qui s'est passé, les filles ? Oui, par rapport à vous, Joël, qu'on a un petit peu suivi ce qui s'est passé là-bas. On a vu les acteurs et c'était très, très intéressant. Je suis vraiment contente d'avoir Xavier en ligne. Alors, est-ce qu'il est déjà en ligne ? Bonsoir, Xavier. Bonsoir. Heureuse de vous avoir sur le plateau des experts au féminin. Je suis très content d'être là. Tard chez vous, alors je suis encore plus honorée du temps que vous nous accordez, vous rentrez du travail. Alors, dans un premier temps, petite présentation, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, parlez-nous un petit peu de votre profil, de votre parcours, votre poste actuel. Qui êtes-vous, Xavier Pistol ? Alors, je suis Xavier Pistol, chef exécutif du Relais du Parc, l'hôtel Renaissance Trocadéro, depuis maintenant 6 ans. Donc, ça passe très vite. D'origine guadeloupéenne, né en Guadeloupe. J'ai fait mon cursus scolaire jusqu'au BTS en Guadeloupe. Et maintenant, ça fait 12 ans que je suis dans l'Hexagone. Voilà, rapidement, au Relais du Parc, on fait une cuisine assez élégante avec des inspirations caribéennes. On essaie de mélanger au code de la cuisine gastronomique les aliments locaux de chez nous et puis donner une saveur locale à tout ce qu'on fait au Relais du Parc. Intéressant. Xavier est humble, mais il n'a pas souligné qu'il s'agit d'un hôtel 5 étoiles, hein, le restaurant où il travaille. Donc, nous avons une pointure ce soir. Et justement, en parlant de pointure, vous avez représenté les îles de Guadeloupe à Taste of Paris parmi 3 chefs. Donc, il y avait Jean-René Le Riche, il y avait Claude Strazel. Et donc, vous avez assuré une masterclass en fin de festival. Parlez-nous un petit peu de cette expérience. Comment l'avez-vous vécue ? Alors, Taste of Paris, je l'avais fait plusieurs fois en tant que client et là, on a eu l'honneur de représenter la Guadeloupe pour la masterclass. Donc, à ma grande surprise, il y avait beaucoup de monde, je pense beaucoup de Guadeloupéens sur le stand et sur la masterclass. Très bon feeling, public très réceptif. Beaucoup d'engouement aussi pour ce qu'on faisait, pour les produits. Les gens, je pense, étaient contents de retrouver des produits locaux sur les stands et surtout dans un endroit comme ça où on représente la haute gastronomie. Pour rappeler, Taste of Paris, c'est 30 établissements, il n'y a que des palaces pratiquement.
On n'est que sur du grand chef, des chefs internationaux, et c'est pas au Grand Palais éphémère, vue plongeante sur la Tour Eiffel. On a des Ducasse qui passent par là, on a des grands noms comme les Conticini, voilà. Et moi, j'étais très très content. L'atelier s'est très très bien placé. Et puis, assez fluide, je pense que la prestation était bonne. Pour tout te dire, Joël, ben les plats, ils n'ont pas fait long feu. On n'avait pas assez, je pense. Et les retours étaient assez sympathiques. J'ai vu, comme je disais aussi, j'étais très frustrée d'avoir dû rentrer en Guadeloupe aussi tôt. Mais je connais votre cuisine. J'ai eu le plaisir de la déguster au Relais du Parc. Et je ne doute pas une seconde qu'il était vraiment à la hauteur de l'événement. Mais parlez-nous un petit peu de ce plat. De quoi était-il composé? A-t-il un petit nom? Faites-nous rêver. Alors, sur ce plat-là, on était sur un des plats signatures que je fais au Relais depuis un petit moment maintenant. C'était des solilès de volaille fumés à la canne à sucre, avec une confiture d'oignon au sirop batterie et une mousseline maïs maracuja. Donc, avec des petites saveurs un peu sucrées, acidifiées. On était vraiment dans une bonne balance de goût. Et quelques petites chips au Colombo qu'on a rajoutées au dernier moment. Sur le plateau. Trop diable, on a trop d'émotion. On a faim là. Oh là là. Bon, la frustration est à son comble. Parlez-moi un petit peu de vos projets. On va devoir clôturer cette émission. J'aimerais pouvoir développer davantage, mais on aura d'autres occasions. Avez-vous des projets à partager avec nous ces prochains mois? Alors, le projet imminent, alors du coup, le Relais du Parc, c'est bientôt terminé. Je suis sur plusieurs projets qui vont bientôt aboutir. On a l'ouverture de la terrasse du bateau phare qui est en cours. Donc, du coup, au moment où on est en train de tourner, je pense que c'est dans la semaine. Donc, il y a un bateau qui est sur le 14e, où là, on ne va pas faire une cuisine gastro. On est vraiment sur du tapas aux accents caribéens. Avec une équipe de Réunionnais, donc on a à peu près les mêmes traditions, donc on s'y retrouve aussi dans ce qu'on fait et dans ce qu'on mange. Et puis quelques projets qui viennent un peu début d'année prochaine, si tout se passe bien en Guadeloupe. Donc ça ce sera dans les prochains épisodes. Intéressant, l'occasion de vous réinviter. Ben, je vous remercie encore d'avoir passer ce petit moment en notre compagnie en cette fin de soirée pour vous. Avec plaisir, mesdames. Et à très bientôt à Paris, assurément, et donc en Guadeloupe prochainement, dans quelques mois. À bientôt. Vous aviez. Au revoir. Au revoir. Mesdames. Va nous faire ça, Joël. Franchement, là. Non, mais c'est la générosité, la cuisine. Je me devais de partager ce chef que j'adore avec vous. Et là. Bon, maintenant, on va le traquer sur les réseaux et on va attendre qu'il arrive en Guadeloupe. Et puis moi, j'espère réellement qu'il a forcément un plat vegan. Parce pour un chef de cette renom, il faut. Non, sincèrement, il maîtrise tout. Il y a un plat végétal. Il maîtrise tout. De manière à ce que je puisse me régaler. Je lui laisserai un petit mot famille. Et quand on partira ensemble à Paris ou qu'il viendra en Guadeloupe, on va s'organiser pour que vous ayez un petit plat vegan de très haute voltige. Je n'en doute pas, merci beaucoup. Je sais que la gourmande du groupe. J'espère réellement qu'il a un plat non vegan. La carnivore du avec groupe. Avec tout ce qui va avec, la sauce, le gras, tout ce qui va avec. Et je sens, mais voilà, et je sens que je vais me régaler. Ah, je l'attends avec impatience, franchement, très belle découverte. J'ai une petite idée là, je pense que je vais arrêter des petits dîners à la maison, vous savez, entre nous, un petit comité avec des chefs comme ça. Ouais. Zizi, là, je le sens bien comme ça. Très bonne idée. Petit chef pour être privé, ça va être sympathique. Chers spectateurs, on va vous quitter. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que le programme vous a plu et on se retrouve lundi prochain dans une configuration traditionnelle. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.